C'est vraiment le choc dans cette compétition auquel on va assister. On peut s'attendre à vraiment un gros match entre ces deux équipes. Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver ici à Anoeta, à San Sebastián, au Pays Basque, le club de la Real Sociedad, toujours bien sûr en compagnie de Kermenes. À l'affiche aujourd'hui, la Real Sociedad face à Eibar. L'équipe à domicile, dont voici la composition, Darida. Et l'attaque va s'arrêter là. Eibar, qui vous vous en souvenez certainement, reste sur une victoire à domicile face à l'Espagnol Barcelone. Une victoire nette. Darida, bien repoussé par la défense. Sur le papier, on va retrouver la meilleure attaque du championnat face à la défense la plus hermétique. C'est ce qui donne le meilleur match, Hervé. C'est ce qui donne le meilleur match. Et le gardien qui claque le ballon au-dessus de la barre. On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Charles, González Calente. Unai Bustinza. Pedro León. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Jean-Kevin Augustin, Marco Van Ginkel, Sam Larsson. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Augustin. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le dégagement pour éloigner le danger. Sam Larsson. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. Charles, González Calente. Oh, la mauvaise passe, il ne l'a pas regardé où il la mettait. Oh, impeccable ce tacle, ce sera une touche. Vladimir Darida. Marco Van Ginkel, Jean-Kevin Augustin, Denis Rose, Paolo Oliveira, Unai Bustinza, Marco Van Ginkel, Aaron Martin, Vladimir Darida. Charles. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ouais, il y a beaucoup d'espace devant Charles. Ouais, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Jean-Kevin Augustin. Yanouzaï. Vladimir Darida. Sam Larsson. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Charles, González Calente, Pedro León. Ça part bien, action dangereuse. Le centre vers ses coéquipiers. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Et la voilà la frappe. Adnan Yanouzaï. Et deux minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Allez, le ballon qui va d'un camp à l'autre. Denis Rose. Ah oui, le tir. La parade du gardien qui repousse le ballon.
L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement, 0-0 pour le moment. Les joueurs locaux qui sont tenus en échec par leurs adversaires. On a vu. On se retrouve sur la pelouse d'Anoeta, toujours à San Sebastián, le début de la seconde période. Gonzalo Escalante, on écarte le jeu. Torres. Sam Larsson. Ah, la passe mal ajustée, il récupère un ballon facile. Santiago Arias. Elle passe dans les pieds qui s'enchaînent. Oui, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Oh oui, encore une bonne passe. Ouais, l'action pouvait peut-être aller au bout, mais bonne interception. La passe est interceptée. Gonzalo Escalante, Denis Rose. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Un prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Là, ce sera ouais, lumineux cette passe. Ouais, il donne de l'air à son équipe. On a atteint l'heure de jeu. Le ballon qui a filé en sortie de but. Alors ce n'est pas un joueur, mais deux hein, qui vont entrer sur la pelouse. Aaron Martin. Marco Van Ginkel. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Pablo Desplacis. Denis Rose. Unai Bostinza. Bon jaillissement sur cette passe. Jean-Kévin Augustin. Le ballon qui change de possession. Ah, la bonne qualité de ses passes. Une saison plutôt prometteuse pour cette équipe. Disons qu'elle est bien placée au classement. Il va falloir confirmer pour essayer d'aller encore un peu plus haut. Sergio Alvarez. Hervillas. Centre à destination de ses partenaires. Benzey. Gonzalo Escalante. Aaron Martin. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Bon, à ce moment du match, elle vaut cher hein, cette interception. Et parce que derrière, il y avait vraiment un bon coup à jouer. Sergio Alvarez. Toujours ce score nul et vierge dans cette rencontre qui va bientôt se terminer. C'est quoi le prochain match au programme de cette équipe, Pierre ? Les joueurs de... Il prend sa chance. L'action qu'il ne fallait pas gâcher. Ballon important, dommage. Enfin, le plus grave, c'est qu'il s'est complètement troué. C'est un ballon perdu. Torres, Fernandez. Les joueurs qui peuvent souffler avec cette interception. Oui, parce que derrière, c'était peut-être la balle de match. Non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Et on va jouer 2 minutes de plus.
Allez, ils attaquent. C'est le match qui se joue. Le dégagement pour éloigner le danger. Ah non, le ballon est perdu. Et il n'y aura pas de vainqueur dans cette rencontre qui se termine à l'instant. Le coup de sifflet final. Voilà, cette rencontre un peu particulière se termine sur un score nul. Pierre, on est un petit peu déçu. Un peu déçu, oui. I'll never decide.